السلام عليكم جميعا، معكم الأستاذة بنادي، أستاذة شعبة الاقتصاد بالمديرية الإقليمية لآسفي. كنتواجد اليوم باستوديو يوكوت بالمديرية باش نقدم درس في مادة القانون حول لي مويان دو ريغلومون. Le programme de droit est composé de deux parties. La partie 2 s'intitule le droit commercial. Nous allons présenter la leçon du chapitre 3 qui s'intitule les moyens de règlement. Plan du cours. On a trois moyens de règlement. Le chèque, la lettre de change et le billet à ordre. Dans le cadre de l'exercice de son activité, le commerçant est amené à faire des achats et des ventes. Ces opérations sont effectuées soit au comptant, c'est-à-dire en espèces ou par chèque, soit à crédit. Dans le dernier cas, ces opérations sont matérialisées par des effets de commerce. Il s'agit de la lettre de change et du billet à ordre. Le premier moyen de règlement, le chèque. On va le définir. C'est un écrit sur lequel une personne appelée tireur a un des fonds disponibles en banque dans l'ordre à sa banque qu'on appelle le tiré de payer une certaine somme à son profit, c'est-à-dire à lui-même, ou bien à l'ordre d'un bénéficiaire que ce tireur désignera. Utilité du chèque, c'est-à-dire à quoi sert le chèque. Selon l'article 306 du Code de commerce, loi 1595 du 1-8-1996, entre commerçants et pour fait de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. Pourquoi une telle obligation à la charge des commerçants? L'utilité du chèque consiste à ce que le chèque permet d'effectuer des paiements sans déplacement d'espèces, éviter les risques de perte et de vol, et ceci en permettant à celui qui paye de conserver la preuve de l'opération et de diminuer la circulation des billets de banque. Création du chèque. D'après l'article 239 du Code de commerce, le chèque doit contenir, c'est-à-dire des mentions qui sont obligatoires, par exemple, la dénomination du chèque, elle est insérée dans le titre même du texte, même du titre, l'ordre de payer une somme déterminée, la somme à payer, elle est écrite en chiffres et en lettres, le nom du tiré, c'est-à-dire de la banque qui doit payer le chèque, le lieu de paiement, c'est-à-dire l'adresse de l'agence bancaire où le paiement doit s'effectuer, le nom et le numéro de compte du tireur, le lieu et la date de création du chèque et la signature du tireur, c'est-à-dire de celui qui émet le chèque. Exemple de chèque. On voit ici le nom de la banque, c'est un exemple, Banque Orientale. Payer contre ce chèque, ici on a le montant en lettres. À l'ordre 2, c'est le nom du bénéficiaire. À Tanger, le 15-4-2016, c'est la date et le lieu de création du chèque. Et la signature, c'est celle du tireur. Et en bas, au milieu, c'est le nom et le numéro de compte, c'est du tireur. Transmission du chèque. Comment il est transmis? Selon l'article 252 du Code de commerce, le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause express à ordre est transmissible par la voie d'endossement. Qu'est-ce que c'est que l'endossement? Ou bien à quoi consiste l'endossement? L'endossement désigne l'action qui consiste à ce que le bénéficiaire appose sa signature au dos d'un effet de commerce ou d'un chèque, c'est-à-dire signe au verso de l'effet de commerce ou bien du chèque, dans le but de le transférer
à l'ordre d'un autre bénéficiaire. Et s'il y a trois cas, le chèque au porteur ou bien sans indication du bénéficiaire, dans ce cas le chèque circule par transfert, mais cette formule est risquée en cas de perte ou de vol. Le deuxième cas, chèque à ordre ou à personne dénommée ou bien à moi-même, dans ce cas le chèque est transmissible par voie d'endossement, bien sûr il est signé au verso par le porteur. Et le troisième cas, le chèque non à ordre ou bien non endossable. Dans ce cas, il n'est pas transmissible par voie d'endossement et devient alors payable à la seule personne bénéficiaire qui est désignée. La provision. Elle correspond au montant indiqué sur le chèque, c'est-à-dire, autrement dit, le tireur doit en lettre titulaire en l'encontre du tiré au moment de la présentation du chèque au paiement et même au moment de son émission, c'est-à-dire au moment de l'émission du chèque, le tireur doit avoir ce montant dans son compte. Barrement du chèque. D'après l'article 280 du Code de commerce, le barrement consiste à tracer deux barres parallèles au recteur du chèque par le tireur ou le porteur. Il est non payable au guichet et il est non endossable, sauf au profit d'une banque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être transmis à un tiers. Paiement du chèque. Le chèque est payable dès sa présentation à la banque, car il n'est pas un instrument de crédit. Comme on l'a vu dans l'introduction, le chèque n'est pas un instrument de crédit. C'est un moyen de paiement au comptant. Selon l'article 267 du Code de commerce, le chèque émis et payable au Maroc doit être présenté au paiement dans le délai de 20 jours. Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans le délai de 60 jours. Le recours faute de paiement, c'est-à-dire lorsque le tiré refuse de payer le chèque. Selon l'article 283 du Code de commerce, si le chèque présenté en temps utile n'est pas payé, le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés. Comment ? En constatant le refus de paiement par un proté. Qu'est-ce qu'un proté ? Le proté, c'est un acte authentique par lequel le porteur d'un effet de commerce ou d'un chèque fait constater le refus de paiement. Il est établi par les agents de secrétariat, greffe du tribunal, au domicile de celui sur qui le chèque était payable et doit être établi, bien sûr, pour être légal, avant l'expiration du délai de présentation. Synthèse, le chèque est obligatoirement tiré sur établissement bancaire. C'est un acte civil si l'opération à laquelle il se rapporte est civile. C'est un acte commercial si l'opération à laquelle il se rapporte est commerciale. L'émission du chèque suppose au préalable la disponibilité de la provision. L'émission d'un chèque sans provision est un crime, selon la loi, est considéré comme un crime qui relève du droit pénal. L'émetteur du chèque sans provision est passible d'emprisonnement et de pénalité. Le recours faute de paiement doit être constaté par un proté, comme on vient de le dire, qui doit être dressé dans le délai de la présentation. On a ici une application. Le 30 octobre 2015, M. Taha Alaoui remet à M. Talal El Ghali le chèque numéro 2985-327 tiré sur la Banque Populaire d'un montant de 12 000 dirhams. Travail à faire, remplissez le chèque. On a ici le chèque, on a le montant qu'on doit écrire en chiffres. Payer contre ce chèque, on écrit le même montant mais en lettres. À l'ordre 2, on va écrire le nom du bénéficiaire. Ici, c'est M. Talal Ghali. À Rabat, le
30 octobre 2015, c'est-à-dire la date et le lieu de création du chèque. Signature, c'est celle du tireur, qui est M. Taha Alaoui. On voit ici en bas, au milieu, le numéro de compte et le nom du tireur, qui est M. Talal Taha Alaoui. Deuxième question, compléter le schéma ci-dessous. Le tireur du chèque, le bénéficiaire du chèque, le tiré du chèque. Comme correction, le tireur de chèque, ici pour notre exemple, c'est M. Taha Alaoui. Le bénéficiaire, c'est M. Talal Rally. Le tiré du chèque, c'est la Banque Populaire. On a maintenant le deuxième, on va entamer le deuxième moyen de règlement qui est la lettre de change. On va la définir. Il est appelé aussi traite. C'est un acte de commerce, selon l'article 9 du Code de commerce, qui constate une créance commerciale d'un fournisseur, qu'on appelle ici tireur, sur son client qu'on appelle tiré. On voit ici la différence entre la lettre de change et le chèque, et qui fixe une date pour son règlement. La lettre de change est généralement émise par un fournisseur au moment où il expédie la facture à son client, rien que pour lui demander le paiement à la date convenue. C'est un moyen de mobilisation des créances. Elle circule par voie d'endossement. L'utilité de la lettre de change. Elle permet de supprimer le transport d'argent. Et c'est un moyen de paiement et un instrument de crédit. Une autre différence entre la lettre de change et le chèque. On a vu que le chèque, c'est un moyen de paiement au comptant. Ce n'est pas un instrument de crédit. Création d'une lettre de change. Comment on crée une lettre de change? On voit ici, pour créer une lettre de change, on doit obéir ou bien elle doit satisfaire et les conditions de fond et les conditions de forme. Les conditions de fond, c'est un acte, comme on l'a déjà dit, c'est un acte de commerce. Donc, ne peuvent signer une lettre de change que ceux qui ont la capacité suffisante pour faire le commerce. Et ceci, vous l'avez déjà vu dans le chapitre 1 de la partie 2 qui s'intitule « Le commerçant ». Les conditions de forme. Il y a des mentions qui sont obligatoires, qui doivent exister obligatoirement dans la lettre de change. La dénomination de la lettre, l'ordre de payer une somme déterminée, le nom de celui qui doit payer, appelé ici le tiré, et qui peut être le tireur lui-même. Le nom de celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait, l'indication de la date de création et la date d'échéance, et enfin la signature de celui qui émet la lettre de change, c'est-à-dire du tireur. La provision, ici une autre différence entre la lettre de change et le chèque, la propriété de la provision est transmise de plein droit au porteur successif de la lettre de change. C'est-à-dire que la créance qui constitue la provision n'a plus pour titulaire le tireur. Mais bien sûr, ici, le tireur, c'est le porteur de l'effet, carrément. La provision est une troisième, si vous voulez, différence entre la lettre de change et le chèque, c'est que la provision n'est pas obligatoire le jour de l'émission, mais elle est le jour de paiement. Transmission de la lettre de change. Elle est transmissible par voie d'endossement. Et si le tireur désire que la lettre de change ne soit pas endossable, il n'a qu'à insérer dans le texte la mention non endossable ou bien non à ordre. Paiement et recours, faute de paiement. La lettre de change doit être présentée au paiement à l'échéance ou bien dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date d'échéance. Si à l'échéance un effet n'est pas payé, le bénéficiaire établit un acte authentique. Comme vous voyez, c'est la même chose
comme pour le chèque, qui oblige le tiré à effectuer le paiement. Cette taxe est appelée protée faute de paiement. Un litige en matière de lettres de change relève bien sûr du droit commercial. Et si les faits comportent la mention sans protée ou bien retour sans frais, ici le porteur est dispensé, il n'a pas l'obligation d'établir un protée faute de paiement. Exemple de la lettre de change. On voit ici le fournisseur, c'est établissement Doua et Melek. Veuillez payer contre la présente lettre de change à l'ordre de l'établissement Doua et Melek, c'est-à-dire c'est lui le bénéficiaire. La somme de 70 000 dirhams, il est écrit en chiffres et en lettres. Ici, le tiré, c'est-à-dire celui qui doit payer la lettre, c'est l'établissement Nord. Et enfin, la signature du tireur. Maintenant, le deuxième moyen de règlement, le billet à ordre. On va le définir. Le billet à ordre peut être défini comme un écrit par lequel une personne, appelée ici le souscripteur, s'engage à payer à une autre, appelée le bénéficiaire, ou bien à son autre, une certaine somme à une échéance déterminée. Ici, le billet à ordre diffère essentiellement de la lettre de change en deux choses. La lettre de change, c'est un acte de commerce, quelle que soit la nature de l'opération à laquelle elle se rapporte. Le billet à ordre n'est acte de commerce que s'il se rapporte à une opération commerciale. Le billet à ordre obéit aux mêmes dispositions que la lettre de change en ce qui concerne l'endossement, l'échéance, le paiement, le recours, faute de paiement, les protés. Exemple du billet à ordre, on voit aussi le souscripteur qui doit payer le montant, c'est Khalid Info, le bénéficiaire c'est Endo Sal et la signature de souscripteur. Notre leçon touche à sa fin. C'était le chapitre 3 de la partie 2. C'était aussi la dernière leçon du programme de droit pour la première année baccalauréat sciences économiques et gestion. J'espère que ça a été clair. Mes chers élèves, je vous remercie de votre attention.